Yo les gars, c'est Ensi, on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui les mecs, c'est la partie 2 de Apprendre ou à laisser. Donc la fameuse vidéo, comme le concept, comme MrBeast il avait fait avec Amixem, c'est assez rigolo. Et donc aujourd'hui les gars, comme vous l'avez vu, c'est la deuxième fois qu'on fait ce concept. Et si vous aussi vous avez envie de participer à ce concept, si jamais on fait une partie 3, et ben n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, il sera en description. Ou dans les commentaires aussi je crois, en épinglé. Donc en tout cas rejoignez pour tous ceux qui veulent participer, surtout qu'il y a plein de cadeaux. Et pour cette édition numéro 2 les gars, on a mis la barre encore plus haute parce qu'il y a une vingtaine de huge à gagner. Évidemment il y aura aussi des huge pour vous les gars, ceux qui n'ont pas pu participer. Et je vous explique vite fait les règles. Alors c'est très simple, on va ramener deux abonnés en vocal, n'importe qui, dès que quelqu'un était là on le ramenait. Et ils étaient en 1v1, celui qui gagnait il restait, il partait avec son cadeau. Et celui qui perdait, bah, il restait jusqu'à avoir un cadeau. Bon bref, vous avez compris. Et en gros, le but c'est qu'à chaque fois, il y en a un des deux qui voit la boîte de l'autre et qui doit dire, ok, est-ce que je veux garder la boîte ou alors je donne la boîte à mon adversaire jusqu'à avoir une boîte de mieux en mieux à chaque fois. En tout cas voilà, j'ai expliqué un peu n'importe comment mais c'est pas grave, je pense que vous avez compris. Ok les gars, dans cette vidéo, il y a un huge de fou à gagner, comme d'habitude, vous avez l'habitude de toute façon. Et du coup, aujourd'hui, lequel est-ce qu'on va sélectionner? Et bah les gars, ça va être très simple, je pense qu'aujourd'hui, je vais vous faire gagner la jolie girafe Mini Pims qui l'a envoyée. Et bah Mini Pims, je crois que c'est l'un des premiers huge à toi que je fais gagner, ou le deuxième, je suis pas sûr. Alors attendez, wesh, mon personnage il avance tout seul, reste là. Ok, du coup, regardez-moi ça, une petite girafe, non franchement elle est très très cute. Elle est trop mignonne. Je sais même pas si je l'ai moi-même. Attendez, je vais regarder. Je suis pas sûr de la voir, les gars. Ah ouais, je l'ai. Let's go, heureusement. Sinon, j'aurais été jaloux de vous. J'aurais été très jaloux. Du coup, voilà, les gars. La petite girafe, elle est trop mignonne de la part de Mini Pims. Et donc, pour participer, c'est très simple. Vous allez devoir mettre le code qu'il y a écrit à l'écran. Non, vous écrivez pas exemple dans les commentaires. Là, vous voyez juste un exemple du code. Et donc, ça sera écrit de la même manière que l'exemple. Et donc, vous avez juste à chercher dans la vidéo un texte avec écrit la même couleur que l'exemple et du coup bah vous cherchez le code. Voilà tout simplement. Et pour ceux qui ont la flemme de participer et de regarder la vidéo parce que vous êtes des gros flemmards, et bah les gars je vous fais gagner deux Valentine's Cat. En plus il y a un abonné qui m'avait dit fais le gagner vite s'il te plaît, j'aimerais bien le faire gagner très vite. Du coup bah voilà, il est enfin là mon frérot. Donc GG à vous et bonne chance à tous les mecs, bonne chance. Alors le rat, parmi toutes les boîtes de 0 à 9, tu veux voir laquelle? La 3. Tu veux voir la boîte numéro 3? Ok, je te l'envoie en privé. Qu'est-ce que t'as de beau à lui dire? Bah c'est éclaté au sol par contre, wesh. Mais ça peut servir un peu, mais moi je préfère. Moi je te conseille de pas la prendre. Ça peut servir à faire des proutes? Non. Et oui. Non et oui, en fait je te dis pas. Oh les bâtards. Mais tout ce que je veux dire c'est que je te conseille pas de la prendre. Non je rigole, je te conseille de la prendre et tout. T'en penses quoi Zoro? Ça a l'air d'être une bonne affaire. Pourquoi pas? Du coup alors, attends, est-ce que t'as déjà ton choix ou pas? Oui. Ok, est-ce que tu veux prendre la boîte ou la laisser Aura? Je prends. Ok, tu prends la boîte et voilà, t'as gagné plein d'objets d'une valeur d'11 millions de GM. GG. C'est un peu gaze, hein. Je te jure, c'est très gaze, mais bah, c'est mieux que rien, donc GG quand même. C'est déjà bien. Ouais, ça va, ça va. J'ai trop le seum. Je voulais un peu de... J'ai plus de fruits, moi. C'est pas grave. Oh, j'en ai que 8 de pommes. Ne me demandez pas pourquoi je suis vegan. Demandez-vous pourquoi vous ne l'êtes pas. Je t'enverrai ton cadeau après la vidéo. Ok, la boîte numéro 3. Oh, la boîte numéro 3, c'est la pire. Il y a tellement... Quelle boîte veux-tu entre 0 et 9? Sauf la 3 qui a déjà été choisie. 5. Ok, tu veux voir la boîte numéro 5? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Alors, en vrai, c'est bien. Ouais. Il y a beaucoup d'items dedans. Okay. Enfin, beaucoup. Dis, c'est... La value, c'est quoi? La value, c'est quoi? La value, c'est... 30 millions. Ouh, pas mal. Ok. Et... Qui me dit que tu dis la vérité? Bah, moi. Bah ouais. Logique. Il y a quoi dedans? Alors... Bah, en fait, il y a beaucoup d'objets... Mais dis, il y a quoi, non?
Je m'en fous, dis à quoi juste? Ouais, j'ai l'énervé. Des clés et des clés et des objets. Mais dis à quoi? Bah, des clés et des objets. C'est quoi les objets? Je sais pas, des objets. En fait, t'es bête, toi. Toutou le loup. C'est quoi les objets? Des cadeaux, des arcs-en-ciel, des proutes. Il attaque direct sur l'adversaire. Bah, il y a de tout. Mais dis non. Non. Oh, il veut pas dire. Ok. Ça me bat. Il y a deux gifts. Enfin, deux gifts différents. Ok. C'est tout? Et il y a quatre types de clés. Ok, ok. Ok, je pense qu'on avait assez d'informations. Est-ce que le petit rat, tu prends ou tu passes? Je passe. Tu passes? Ok. Et bah, someone, tu gardes ta boîte. Et en vrai, c'est pas mal quand même. Il y avait quoi? Franchement, GG. Il y avait 20 millions de contenus en gemmes. Et il y avait plein de clés, de bagues, de petits items. Oh, mais ça va! Ça va! Là, reste toujours 20 millions. Par contre, toi, t'es un gros mytho. Franchement, ça va. Hop. Ok. Deuxième cadeau envoyé. Directement envoyé. Cadeau envoyé. Je sais pas, ça va être long. Cadeau envoyé. Hop, GG. Hop. Vas-y, je donne tout, je m'en bats les couilles. Hop, boum. Premier envoyé. Sado, tu veux voir quelle boîte entre 0 à 9, sauf la 3 et 5, qui ont déjà été sélectionnées? La 6. La 6, ok. Alors, où est-ce qu'elle est la petite 6? Elle est là. Tu veux savoir quoi sur la boîte? Elle vaut combien de value déjà? Value? Ouais. Si tu veux vraiment pas que je mente, je vais te dire la vérité. Elle est à plus de 100 millions. Jure la vie de ta mère. Je vais pas jurer, mais il y a plus de 100 millions. Ok, il y a quoi dedans? Dedans? Des trucs qui peuvent t'aider beaucoup. Bah dis non. Ouais, je vais arrêter d'agresser tes adversaires, toi. Je sais pas non plus te dire, mais ça peut t'aider si t'en as pas. Mais dis. Bah, je dis pas plus, hein. Bah, est-ce que... est-ce que, genre, les trucs qui sont en masse, en mode, y en a 10 000, ou alors y en a juste un ou deux qui est par quantité? Il y en a un par quantité. Ok. Bah, N. Ah non, je rigole. Et qui dit tu me mens pas? Ah, je mens pas. Moi, je suis là pour te mettre bien. Ok. T'as d'autres questions à lui poser ou tu sais déjà là? Non, c'est bon, c'est fini. Ah, tu sais déjà? Ouais. Ok. Est-ce que tu lui prends sa boîte ou tu lui laisses? En vrai, je lui laisse. Tu lui laisses? Oh là 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 là! La pire erreur de ta vie. Bah, ça dose, GG à toi. Bah, oui, mais j'en voulais pas, moi. Mais pourquoi t'en voulais pas? Et puisque moi, je suis là pour faire plaisir à les abonnés, t'as vu? Mais frère, bah. Mais donne, alors donne! Non, bah non, bah non, bah force à toi. Au pire, je ferai un giveaway avec, c'est pas. Frérot, le rat de 7, il passe à côté de quoi là? Il passe à côté de 5 huge à 230 millions! 230! Ah bah force à toi! Miaou 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 miaou! Miaou 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 miaou! Miaou 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 miaou! Miaou 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 miaou! Miaou 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 miaou! En même temps, tu prends jamais les boîtes, donc c'est ton problème. Mais est-ce que c'est le meilleur tricky ou pas? Ah, je spoil pas, hein, mais... Là, 5 huge, c'était pas mal. Hein. C'est l'un des meilleurs. Bon bah, Sado, GG, hein. Même si t'en voulais pas, bah, t'as gagné un truc de ouf, quand même. GG, GG. Oui. Ok, les gars, Sado, il a gagné 5 huge. Mais bon, il m'a dit qu'il était tellement riche qu'il voulait pas les avoir. Genre, vraiment, vous pouvez lui demander dans les commentaires. Je vous jure que je mens pas. Il a vraiment dit qu'on pouvait les faire gagner, du coup, je vais les garder, les gars. Et puis on les fera gagner à des abonnés. Alors, le 8. Mon petit rat, tu choisis quel numéro entre 0 et 9? 8. Tu veux voir la boîte 8. Numéro 8, t'es sûr? Oui. C'est parti. Boîte numéro 8. Putain, j'ai gagné. Mon petit rat, voilà ce qu'il y a dans ta boîte. Ok. Attention. Bah, c'est un truc qui... Il faut avoir de la chance pour... voilà. Non, je rigole.
C'est de la merde. C'est plein de fruits. Comment ça, mon ref? Force. Pas moi. Combien de value? 30 millions. Okay. Vas-y, je te le laisse. Ouais, direct, comme ça, j'ai même pas posé la question. Est-ce que tu prends ou tu lui laisses la boîte? Je lui laisse la boîte. Tu laisses la boîte direct, t'as même pas le temps de réfléchir. Toi, c'est direct, comme ça. Ouais, je lui fais confiance. Ok. Bon bah, c'était rapide. Et bah, frérot, tu viens de perdre un œuf à 71 millions de gemmes. Mais bah, du coup, pas, GG à toi. Gros GG à lui. Hop, ça c'est un cadeau de fou. Donc, gros GG à toi, le rat. Tu veux voir Choisis quelle la boîte La 1. La numéro 1? Ok. Ouais. Ok, alors, Adalox, qu'est-ce que t'en penses de la boîte? En vrai, tu peux me faire confiance que non, elle est bien. Ok. Plus précisément, dedans, ça vaut cher. D'accord, entre quelle estimation? Il y a 30 millions. Ok. Ok. C'est utile ou pas? Très utile. Ok. Bah, non, je te la laisse. Attends, mais j'ai même pas posé la question. Attends, tu me la laisses? Tu me la laisses? Attends, j'ai pas posé la question. Attends, je peux te dire un truc. Ouais. C'est qu'on se connaît, ça, en vrai, toi, ça peut t'aider. Oui, ça négocie. Ça peut t'aider beaucoup plus que moi déjà. Okay. C'est plus parce que moi. Bah ouais, mais tu fais-moi confiance, non? Ça va t'aider plus que moi si tu prends. Ooh. Ok. Ok, Lulu, mais... est-ce que tu prends la boîte ou tu lui laisses? Je lui laisse. Ah, il lui laisse. Let's go. Il y a 20 millions de charmes. 20 millions de gemmes en charme. 5 royales. C'est trop bien. Oh, frère, franchement, c'était mis quand même pas mal. Pas mal. Ok, bah gros GG, frérot. 5 royalty, voilà. Hop, GG. GG à lui, gros GG. Est-ce que tu veux voir la boîte numéro 0, 4, 9, 7 ou 2? La 4. La boîte numéro 4. Ok. Je t'envoie directement en MP la boîte numéro 4. Alors, dans la boîte, il y a un petit exclusif. Ok. 3 millions de gemmes à peu près. 3,1 millions de gemmes. Ok. Juste ça? De quoi? Juste ça? Ouais, un exclu. C'est lequel? Je sais pas, je connais pas l'exclu. C'est bizarre, mon ref. Hein. Mais oui, c'est clair! Si tu veux, la couleur, il est violet. Ah, tu le connais pas, mais tu l'as déjà vu. Bah, j'ai la boîte sous les yeux, quoi. Du coup, c'est plus facile. Juste, t'as le... comment ça s'appelle? La value, enfin le nombre de pourcentages, genre si c'est un 85, un 90 ou un... Non, j'ai pas les pourcents. Ok. Bon Lulu, est-ce que tu gardes la boîte ou tu lui laisses à Tiprout? Je lui laisse. Tu laisses à Tiprout? Oh, hey, non, let's go! Let's go! Let's go! Huge, let's go! Oh, là, 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 là. Bien joué Tiprout! Oh, je suis désolé. Bien. Je suis désolé, merci. Oh là là. Let's go. C'est laquelle? C'est un huge ou plusieurs? C'était un huge. L'écrevisse verte là, tu sais. Et bah, gros GG, Tiprout. Voilà, la mantis shrimp, niveau 1, avec un charme incroyable. Gros GG à toi, Tiprout. Ok, Lulu. 0, 9, 7 ou 2? 0. Est-ce que t'es bien. Déjà, ça, c'est très utile. Ok. Est-ce que t'es bien avancé dans le jeu ou pas? Bah j'ai fini. Ok. Ok. Du coup ça sera moins utile parce que c'est utile qu'au début en vrai. Je sais pas si t'en as mais je pense. Tu veux savoir quoi d'autre? C'est un objet. Non c'est pas un objet. Bah c'est des livres alors. Peut-être. Ouh. Là, Léo, tu sais déjà, là. Bah, je sais qu'il... Je pense qu'il ment. Okay, ok. Ouais, je suis un gros menteur, moi. Enfin, non, je pense pas qu'il ment. Bah, faut savoir. Non, je pense pas qu'il ment. Ok, t'es prêt? Est-ce que, Léo, tu lui laisses la boîte ou tu la prends? Je lui laisse. Tu lui laisses? Oui. Et Léo, je peux te dire un truc? Oui. Je suis vraiment désolé. Non. Parce qu'en plus, c'est ma boîte. C'est ça le pire. En fait, j'irai avec tes filles, ça sera truc au montage. Non. Je prends. Léo, t'as perdu 14 huge. Non, t'es un menteur. La vie de ma mère. Si, c'était ma boîte. Oh putain. Après, tu sais qu'on peut partager.
T'inquiète, on s'arrangera sur la Ah, Léo, t'as trop le seum. Non, en plus, j'ai pas de huge, frère, c'est une dinguerie. Oh, l'inventaire. T'inquiète. Là, t'es dedans, j'ai pas de huge, je regarde mon inventaire. Lulu, GG à toi. Tu repars avec tous tes huge. Bonne donnée. Tu es la boîte numéro 9, 7 ou 2 ? La 9. La 9, direct, comme ça, ça drop direct. 9. Ok, c'est parti. Alors, boîte numéro 9, mon petit Trexis. Hop. Hop, je t'envoie directement. Hop, les 100 huge en photo. Hop. Mais non ! Ok, c'est bon, je t'ai envoyé mon petit Trexis. Et bonne chance à toi. Léo, écoute-moi. Dans cette boîte, il y a plus de 100 millions de gemmes. Ça fait beaucoup là, non ? Oh, wow. Tu peux t'acheter, entre nous Léo, hein, tu peux t'acheter plus de 3 huge avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce n'est pas des fruits, ce n'est pas des livres, et ce n'est pas des potions. Les potions. Eh oui, les potions. Ok. As-tu des questions, mon cher Léo ? Ouais. Dis-moi ta question. Est-ce que t'es gay ? Oh ! Ah, tu l'as pas vu venir, c'est non. Oui, c'est un oui. Aïe, aïe, aïe. C'est contre nature. Hein. Aïe, aïe, aïe. Non, non, sincèrement, oui, avec End et Axir, ils ont fait un double dans le lit. Bizarre. Bon, du coup, la question. La boîte, ouais. Du coup, tu m'as dit, il y a plus de 100 millions de gemmes. Ah oui, large. Combien mais pas large, en fait. Combien exactement? Bah, je veux te dire le prix aussi, tant que tu y es. Vas-y, attends. Attends, je regarde l'image. Alors, attention. Il y a 168,8 millions. Donc, c'est pas des livres. C'est non, pas c'est... des potions. Non, c'est pas des. Ouais. Là, j'ai déjà vu l'épisode 1, alors je pense savoir c'est quoi. Aïe, aïe, aïe. Ah non. Bon, bah alors là, t'as déjà ta petite réponse, Léo ? Moi, je pense. Je te promets, Léo. Je ferai ce que tu veux. Je te lécherai les pieds s'il faut. Vas-y. Voilà. J'ai un peu faim. Ok, Léo. Du coup. Est-ce que tu prends sa petite boîte ou tu lui laisses à Trexis ? Je lui laisse. Oui. Oui. Merci Léo, la frie. La bah franchement, tu te mets quand même bien en vrai. Bah frère, c'est 3 huge. C'est 3 huge. Mais n'importe quoi. C'est un menteur. Mais non, mais c'est. Non, mais 3 huge, genre je peux acheter avec ce que j'ai là, tu peux acheter 3 huge large. Merci. Non, mais attends, on est d'accord. Merci Léo. C'était des clés. Non, c'était des exclusifs. Plein d'exclusifs Rainbow. Vraiment. Oh, pas grave. Chez. Ça t'apprendra à faire tourner intéressant et rester plus loin dans la vidéo. Mais non. Let's go. Et voilà. Ok, on continue avec le prochain vainqueur. Hop, le petit Trexis qui a gagné 4 exclusifs de fou à 14 millions, 30 millions. Enfin, laisse tomber. Déjà, il y a le Jelly Monkey qui vaut 30 millions. Le Crystal Deer comme ça. Très très stylé. Le Empyrean Dominus. Hop, gros GG à toi, mon petit Trexis. Hop, donc GG à toi, mon frérot. Ok, du coup, alors pour la finale, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous envoyer tous les deux, les deux dernières boîtes. Ah oui, si on échange. En vous disant, vous avez celle-là, blablabla. Et en gros, vous allez devoir vous dire, ok, est-ce qu'elle est assez bien pour que je la garde, ou alors l'autre, il a peut-être mieux que moi. T'as capté. Yes. Okay. Ok, alors, du coup, il vous reste la boîte numéro 2, hop, qui est juste là. Qui veut la boîte numéro 2 ? Vas-y, je la prends. Vas-y, Léo. Hop, il y a personne qui la prend, alors je la prends. Et du coup, Anto, toi, je t'envoie la boîte numéro 7, elle est là. En gros, vous devez deviner si vous avez mieux ou plus nul que l'autre, enfin bref. Et après, vous devez, à la fin, si les deux disent échanger, vous échangez. Et s'il y en a un des deux qui dit pas échanger, vous échangez pas. Alors, je vais pas mentir. Mais là, il y a 14 huge, c'est bon ? 14 ? Oui, 14. Et il y a 3.21B, c'est bon ? 3.21. Moi, perso, j'ai 9 millions de value, si tu veux. Bah là, il y a 3.21B. 3.21 ? Moi, il y a 9,61. Ok. Sauf que moi, t'as vu, je suis riche et j'ai envie de te faire plaisir. Parce que toi, je sais que t'as pas trop de huge. Ça prend, j'avoue. Mais après, allez, tu peux quand même. Je peux quand même avoir des cacs arc-en-ciel, tu vois. Tu crois que j'ai ça ? Bah, je sais pas. Hein. C'est possible. Bah... À chaque fois, on se parle sur Discord. Tu penses vraiment là, justement, maintenant ? En vrai, il y a peut-être moyen, tu me mens pas. Mais.
Est-ce que moi aussi je t'ai menti ou pas? Après ça, je m'en fiche. Peut-être qu'il y a plus, peut-être qu'il y a moins. Moi, je t'ai fait plaisir. Ok. Ouais, j'avoue. Ok, ok. Vous avez déjà votre idée ou pas déjà? Ou vous devez encore parler? Moi, je pense que j'ai mon idée. Et toi, Léo aussi? Oui. Ok, du coup, là, je vais dire 3, 2, 1. Et vous devez dire soit j'échange, soit j'échange pas. Et si les deux disent j'échange, vous échangez. Vous avez capté. Ok. 3, 2, 1, go! Échange. Ok, vous échangez de boîte. Aïe, 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 aïe. Ah, j'espère que je me suis pas fait niquer. Frérot, tu t'es fait niquer. Spooky, scary skeletons, sun shivers down your spine. Anto, Léo, je te laisse lui dire ce qu'il a gagné. Putain. Des caca arc-en-ciel. Moi. Non, je suis un antagoniste. Non, Anto, je suis désolé pour toi. Là, t'aurais pas dû faire confiance à Léo. Bah, je savais. En plus, j'avais beaucoup de livres et tout. Ça aurait pu m'aider parce que j'ai rien. Ça aurait été un peu mieux, ouais. C'est vrai. Bah, en plus, j'ai rien en livre, donc... Malheureusement, dans tous les cas, les gars, vous le savez peut-être pas, mais tous les huge ont déjà été gagnés. Vous êtes arrivés en dernier, il vous restait que les caca arc-en-ciel. Donc bon. Mais après, Léo... En plus, j'étais sûr que ça allait être des caca arc-en-ciel, donc... Mais Anto, toi... Attends, mais on avait combien, même? Attends, on avait combien? Bah, il y avait presque 10 millions de value dans la boîte d'Anto. Et toi, t'avais des caca arc-en-ciel, et comme t'as été méchant avec lui, bah, tu lui as fait croire qu'il y avait mieux. C'est un peu triste. En vrai, Anto, après, si tu veux, je te passe des livres parce que j'en ai pas besoin. T'es un bon. Ah, vas-y, merci. Bah, GG, les gars. En tout cas, GG à toi, Anto. Caca envoyé. Ok, alors, le prochain vainqueur, c'est le petit Léo. Et Léo, les gars, il a gagné tout ça. Mais je vais pas vous mytho, je vais clairement pas lui envoyer tout ça, j'ai la flemme de malade. Du coup, les gars, il y en a dedans pour 11 millions de gemmes. Du coup, ce qu'on va faire, Léo, tu m'en voudras pas, je pense. C'est que tu vas même, carrément, tu vas être content. Je vais t'envoyer le double en gemmes. Parce que bon, frérot, je vais pas t'envoyer plein de fruits un par un, là. Ça va être long de malade. Donc, je vais t'envoyer le double des gemmes, hop. Voilà, c'est 100% plus rentable.